On a été contacté en fait par une dame qui travaille dans une porcherie industrielle et en fait elle a une truc qui s'est cassé la patte dans sa stalle. Donc du coup elle nous a dit que pour la patte ça craint parce que là durant le week-end ça s'est mis à gonfler au niveau de la fracture. Donc on espère que c'est pas une infection parce que ça va être beaucoup plus compliqué si jamais c'est infecté. Et ce que je savais pas c'est que la fracture date d'il y a 10 jours déjà. Il resterait une option, c'est l'amputation, mais amputer une truie d'un postérieur c'est impossible, c'est pas un chien ou un chat quoi. Elle sera trop lourde pour pouvoir... Donc voilà. L'articulation est tellement grosse et infectée que ça va servir à rien du tout.